837, Madame Faucillon à Madame Buffet. Cet amendement reprend une préconisation du Comité contre l'esclavage moderne. Le statut de jeune au pair crée des conditions propices à des formes graves d'exploitation par le travail en raison de la forte dépendance entre la personne au pair et son employeur, du fait que ces dernières sont hébergées chez leur employeur et que la régularité de leur séjour dépend de cet emploi. C'est la raison pour laquelle il est ici proposé de prévoir que la Convention contienne des informations à destination des jeunes au pair sur leurs droits sur le territoire français et la communication des coordonnées des associations pouvant les assister en cas d'infraction. Par ailleurs, il est indispensable que la Convention contienne aussi des informations à destination des employeurs quant aux pénalités encourues en cas de non-respect du contrat au pair et surtout en cas d'exploitation de la personne. Madame la députée, sur un autre amendement faisant l'objet donc d'une discussion commune qui est le 969, mais avant je pense que j'ai une demande de scrutin public sur ces amendements. Sur quel amendement ? Sur le 969, je suis saisi par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et Monsieur Corbière pour la présentation du 969 et pour 2 minutes. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Amendement en partie défendu par ma collègue Marie-Georges Buffet, à l'initiative effectivement du Comité contre l'esclavage moderne. Notre intention est collectivement attirée sur la situation de ces travailleurs, travailleuses que l'on nomme au pair. C'est souvent le statut de jeune au pair créé par nature des conditions propices à des formes graves d'exploitation par le travail en raison de la forte dépendance entre la personne au pair et son employeur, du fait que ces dernières sont hébergées chez leur employeur et que la régularité de leur séjour dépend de cet emploi. C'est la raison pour laquelle, je répète, j'insiste, nous considérons comme impératif que la loi impose que la Convention contienne des informations à destinataires et travailleurs au pair sur leurs droits sur le territoire français. Merci. Merci, Monsieur le député. Je vais demander l'avis de la Commission et du gouvernement. Je donnerai la parole à ceux qui le souhaitent. Défavorable. Défavorable. Sur les deux amendements, j'imagine. Monsieur le ministre d'État. Sur les deux. Sur les deux défavorables. Alors, en prise de parole, M. Goasguen et M. Di Filippo. Et Mme Obono. J'ai voté l'amendement de M. Corbière. Parce que je peux vous assurer que cet article va commettre des abus considérables qui existent déjà. Et je pense que vous ne réalisez pas bien ce que vous êtes en train de faire en prenant de jeunes au pair jusqu'à 30 ans. Connaissant la situation d'un nombre de personnes qui travaillent sans être déclarées, sans être logées, vous êtes en train d'instituer un espèce de servage qui est tout à fait inadmissible et qui demande à être contrôlé. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut soumettre à des associations et à des contrôles extrêmement sévères les abus qui ne manqueront pas d'être procréés par cet article. Merci, Monsieur Di Filippo. Merci, Monsieur le Président. Je rejoins tout à fait mon collègue. Je comptais dire qu'à titre personnel, j'étais tout à fait favorable à ces amendements. À partir du moment où on a un article dont vous ne vous rendez pas compte, les portées qu'il peut avoir, l'asymétrie dans la relation qu'il y a entre les deux, l'ouverture que vous avez jusqu'à 30 ans. Et je vois que ça se fait en échange de petits travaux ménagers de garde d'enfants. Ça montre la considération que vous avez pour les personnes venant de l'étranger, et on peut leur remettre de l'argent de poche. Il n'y a aucun droit derrière tout ça. Mais est-ce qu'on se rend compte des extrémités dans lesquelles on va, des gens qui, effectivement, sont désespérés, veulent peut-être venir en France, sont prêts à tout accepter, et vous les placez dans ce type de contexte sans aucune protection? Moi, je suis complètement défavorable à cet article-là. À défaut, avant de pouvoir voter contre, je soutiendrai tout à fait l'amendement de nos collègues insoumis communistes. Merci beaucoup. Sur cette... Madame Obono... Ou Monsieur Corbière, comme oui, non, je sais que nous voulons avancer vite, mais... S'il vous plaît, mes chers collègues. On veut avancer, et je voulais premièrement saluer le fait que soit Monsieur Gloisgren, Monsieur Filippo, écoutez tout de même, écoutez-les, ils vous interpellent quand même en disant des choses tout à fait pertinentes, et je ne veux pas allonger les débats. Mais Madame la rapporteure, Monsieur le ministre, je vous ai connu très bavard depuis ces 50 heures ensemble, et là, sur un sujet qui mériterait un petit peu plus, vous êtes d'un silence quasi coupable, j'ai envie de dire. Là, nous vous posons un vrai problème. Il y a une situation de danger. Nous vous proposons quand même une solution avec un amendement raisonnable. Vous le balayez d'un revers de main. Nous n'acceptons pas qu'une forme d'esclavage moderne se mette en œuvre.
au nom soi-disant du fait que la bonne bourgeoisie aurait le droit d'employer des gens qu'elle paierait par je ne sais trop quel argent de poche. Madame Obono. Merci, Monsieur le Président. Nous avons indiqué sur cet article en général que nous trouvions pas répondre à la situation. Que nous ne trouvions pas répondre à la situation de la majorité des personnes aujourd'hui qui travaillent et aident notre pays à plusieurs titres. Mais là, il s'agit, y compris pas d'un amendement qui vient de la France insoumise, qui vient du comité contre l'esclavage moderne, qui vient de personnes qui sont impliquées sur ces questions, qui savent les difficultés, la réalité que vivent les personnes au pair. Et effectivement, je trouve ça très problématique. Alors je sais, il y a des gens qui doivent prendre des trains, il ne faut pas allonger les débats, même si nous vous avions prévenu des circonstances, mais je trouve quand même problématique. S'il vous plaît, pas d'interpellation. Seul l'orateur a la parole. Ah non, mais je suis pas impressionnée. Madame Obono, poursuivez. Je vais terminer mon intervention. Donc, je trouve ça extrêmement problématique de balayer d'un revers de main sans même expliquer pourquoi vous ne pouvez même pas accepter cet amendement de bon sens, comme on dit souvent, sur une question extrêmement grave, ça a été dit. Et je trouve très bien que les collègues de LR, pour une fois, soient dans le sens plutôt de la protection que de la précarisation des personnes migrantes. Et je félicite l'appel à voter pour ces amendements et je vous appelle, collègues de la majorité, quand même, à avoir un peu de discernement. Ce n'est pas parce que c'est la France insoumise ou GDR qui propose cela à l'initiative du comité contre l'esclavage moderne qu'il faut sectairement voter contre. Pensez à la réalité de ces personnes. Merci, et chers essayez collègues. Alors, si on peut reprendre un peu le cours de nos discussions, d'abord je vous informe que sur l'article 22 dans son ensemble, le groupe Les Républicains a demandé un scrutin public. Le scrutin est donc annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Pour terminer notre discussion sur ces deux amendements, dont je vous rappelle qu'il y en a un qui est soumis à scrutin public, la parole à M. Sébastien Huyghe et très rapidement à Claude Coesgen. Monsieur le Président, merci Monsieur le Président. Moi, je voudrais vous dire que je suis favorable à cet article 22 parce que le système des jeunes filles au pair est un système qui est formidable et qu'il faut développer. Il permet des vrais échanges culturels entre une famille, des enfants et quelqu'un qui vient d'une autre culture. Mais par ailleurs, je pense qu'il faut qu'il y ait des garde-fous pour ne pas tomber effectivement dans une dérive qui peut exister dans un certain nombre de cas. Et donc, autant je serai favorable à cet article 22 qui permet de développer ce système de jeunes au pair, autant je pense qu'il faut avoir le garde-fou. Et donc, l'équilibre sur lequel vous êtes, Madame et Monsieur le Ministre, ainsi que Madame la rapporteure, que vous voulez à chaque fois dans ce texte, l'équilibre nécessite de voter cet article 22, mais en ayant le garde-fou de l'amendement qui est proposé par nos collègues du GDR. Merci, chers collègues. Monsieur Goasguen et Madame Buffet, qui est l'auteur d'un des deux amendements, pour terminer ces explications, ensuite nous passerons au vote. Écoutez, je vous assure, en toute bonne foi, ne poussez pas les gens qui ont souvent des idées malsaines à les pratiquer en grand. Je suis député du 16e arrondissement, je sais de ce dont je parle. Nous avons fait des enquêtes à plusieurs reprises. Le préfet de police a été saisi sur Paris, dans les arrondissements comme le mien, le 7e ou le 8e. Il y a des abus considérables. Déjà, des Philippins qui sont logés dans des conditions épouvantables. Nous passons un temps fou à lutter contre cette pratique. N'allez pas pousser les gens à développer ce côté malsain dans cette espèce d'esclavage total que nous sommes en train de restituer. Il faut un contrôle formel, un contrôle aigu. Je vous assure, ne poussez pas les gens dans les mauvais penchants. Merci, cher collègue. Madame Buffet, pour répondre, puisqu'elle est l'auteur de l'amendement que nous allons mettre aux voix. Déjà, l'article tel qu'il est proposé se préoccupe d'encadrer les conditions de l'exercice,
voilà, de jeunes gens ou de jeunes filles au père. Et si vous prévoyez un certain encadrement, c'est parce que vous estimez qu'en effet, il y a danger d'abus. Donc, l'amendement propose simplement d'établir un droit à l'information du jeune au père et un droit d'information de l'employeur qui peut avoir des pratiques abusives. Donc, il va dans le sens de l'article tel que vous l'aviez déjà rédigé, mais il l'améliore par ce droit à l'information. Donc, je ne vois pas pourquoi ça crée autant d'émotions. Merci, Madame la députée. Je vais mettre aux voix donc l'amendement 837 sur lequel c'est un vote. Le premier vote est un vote à main levée. C'est le deuxième vote qui sera à scrutin public. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 837 avec un avis défavorable de la Commission et un avis défavorable du gouvernement qui est pour cet amendement, qui est contre cet amendement. Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix, mes chers collègues, l'amendement 969 pour lequel le groupe La France Insoumise a fait une demande de scrutin public. Est-ce que chacun a pu regagner sa place sur ce sujet? Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votants 137, exprimés 120, majorité 61 pour 46 contre 74. L'amendement n'est pas adopté. Je vais maintenant mettre aux voix...